Bonjour, me revoilà pour un deuxième point que j'aimerais vous montrer, que j'ai découvert sur le net, mais qui me montrait comment faire un bonnet, une tuque. Et je l'ai tenté pour faire un foulard, un écharpe, une écharpe, et j'ai adoré aussi ce point. Moi, je l'ai interpellé le point éventail en relief. Parce que quand on le fait sur une écharpe, qu'on le fait sur une couverture ou sur quelque chose d'autre, regardez ce que ça fait comme effet. On voit comme un petit mouvement de vague. Et ça le fait aussi sur le petit. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que pour le même nombre de mailles, tout dépendant de la laine, on voit bien la différence. Donc, je cherchais à vous montrer ce point vague, relief ou éventail, relief. Appelez-le comme vous le désirez. Moi, je l'adore. Donc, nous allons commencer. J'espère que vous l'avez bien vu parce qu'il est vraiment très beau. Et pour l'écharpe, foulard et tuque que j'ai fait, je vous le montrerai. Il est déjà sur mon blog ou mon site. Donc, voilà. Ça fonctionne par multiples de 6. Si vous savez pas ce que veut dire exactement les multiples, sur mon blog, vous allez le voir dans mes articles. Je l'ai justement écrit aujourd'hui pour expliquer aux novices qui comprennent pas toujours tout ce que ça veut dire exactement. Inquiétez-vous pas, j'ai passé par là. Donc, nous allons commencer par faire le petit nœud coulant, qui est toujours pour le début d'une chaînette, et nous allons monter une chaînette de 30 mailles plus 1. Donc, on se revoit par la suite, parce que je crois que chaque novice comprend comment ça fonctionne faire des chaînettes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, plus 1. Et ensuite, ça va être de faire 3 mailles en l'air pour la première bride que vous allez avoir de besoin et venir piquer non pas dans la même maille, mais la suivante, celle qu'on a faite, le plus 1. Parce que pour débuter, ça va faire moins serré pour le côté du bas et on va faire 2 brides dans la même maille. On était 3. C'est comme si on avait la moitié de l'éventail de fait. Ensuite, ça va être toujours au troisième trou que nous allons soit faire comme maintenant une maille serrée ou comme on s'en vient faire, 1, 2, 3, les 5 brides dans la même maille. Une, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, maille serrée. 1, 2, 3, 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Oups, pardon. Oui, j'avais la tête. Et voilà, on se reprend pour la cinquième bride.
et une, deux, trois pour la maille en l'air. Bon, évidemment, pour chaque travail que nous faisons, nous comptons le nombre de mailles nécessaires pour y arriver. Comme là, c'était comme si j'étais pour aller faire une écharpe en verticale. Donc, j'ai pris 30 mailles. Mais ça aurait pu être au multiple de 6, OK? Oui, multiple de 6 plus 1. Donc, je vous reviens à la fin de la rangée pour la suite, pour la terminer et changer de rang.